L'un des camps d'entraînement de Tomoe est par ici. Prenez ce que vous voudrez. Pour qui me prenez-vous? Tout le monde sait que vous attaquez les caravanes. Le fantôme et le démon sensei. Ishikawa sensei? C'est insensé. Je vous ai entendu. Entendu? Quand? Il n'y a pas longtemps. Ravageant la route comme des loups affamés. Ishikawa sensei et moi pouvons-nous être pris pour des bandits? Allons au nord, découvrir qui est responsable. Sensei. Ne me remerciez pas, surtout. Vous êtes le fantôme. Que s'est-il passé? Sa caravane a été attaquée. Les attaques se multiplient ces temps-ci. On raconte que vous volez des marchandises et que vous aidez les Mongols. Ne bouge pas. Je dois parler au seigneur Sakai. C'est l'œuvre de Tomoe. Elle sème la peur et la paranoïa. Elle attaque des convois puis nous accuse. Je n'ai pas rattrapé son groupe à temps. Je l'ai sauvé, mais pas les autres. Où a-t-il été attaqué? Près d'ici. Pourquoi? Si on trouve le lieu de l'attaque, nous pourrons pister les assaillants jusqu'à leur camp. En effet, oui. Un problème? Non, rien. Elle m'a déstabilisé. Nous allons l'arrêter. Repose-toi. Mange ce que je t'ai donné, et attends un peu avant de partir.
Merci, Sensei. Montrez-moi où il a été attaqué. Comment m'as-tu trouvé ? Quelqu'un a entendu un convoi pris en chasse. Les gens évitent les routes à cause de Tomoe. Quand j'ai eu vent d'un marchand qui tentait un ravitaillement, je l'ai suivi. Pourquoi Tomoe attaque-t-elle les ravitaillements de la préfecture de Kushi ? Elle n'a pas d'intérêt stratégique ? Non. Mais le temple de Kushi est vénéré. Il cherche peut-être à nuire au moral du peuple. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Je pense que c'est une des raisons, mais pas la seule. Tomoe a bafoué tout ce que je lui ai appris. Puis elle m'a trahi. Et après moi, son peuple. Je la traquerai plus loin que l'horizon, s'il le faut. Voilà le convoi. Et d'autres victimes de Tomoe. Voyons ce qu'il nous apprend. Pas d'autres survivants. Des flèches japonaises et mongoles ? Évidemment. Ils ont fui par la route. Et nous les trouverons. C'est une mise en garde aux habitants de Kushi. De Tomoe. Le seigneur Sakai et Ishikawa Sensei interdisent toute circulation sur ces routes, sous peine de mort. Sommaire, mais dissuasif. C'est la dernière fois que Tomoe et ses hommes attaquent quelqu'un dans la préfecture de Kushi. Viens. Dépêche-toi! Descends de cheval! Vite! Nous n'avons pas le temps d'étudier le camp. Voyez qui s'élance sans finir de nouer son hakama. Pourquoi est-elle seule ici? Je vais la détacher. Ici! Ne bougez pas. Non, non, pitié, non. Nous venons vous aider. Elle a dit... Tomoe ? Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que je vivrai jusqu'à ce qu'un samouraï arrive. Non ! La falaise ! Vite, vite, passe ! Dans son Sakai. Tomoe nous a tendu un piège, et nous nous sommes jetés dedans. Je lui ai parlé, il y a 2 jours. À Tomoe ? À l'otage. Je l'ai entendu parler d'une japonaise qu'elle avait vue avec des Mongols. Je lui ai demandé de trouver où était leur campement et de me le dire. Vous plaisantez ? Nous aurions pu la surprendre. Et c'est devant le corps de Tomoe que nous serions. Vous tenez des discours sur les valeurs des guerriers et le mépris que Tomoe leur accorde. Mais vous n'êtes pas différent d'elle. Tu nous demandes d'être parfaits. Ton oncle, moi,
Masako Adachi. Mais seul un enfant croit à la perfection de ses aînés. Continuez, Sensei. Nous portons tous des armes. De nous dépendent la vie et la mort. Et vous maniez ce pouvoir avec bien trop d'aisance. Dans le cas contraire, je serais mort. Et toi aussi, fantôme. Tout le monde n'a pas l'âme d'un samouraï. Mais nous tuons tous. On a encore un camp à démanteler à Otsuna.